Toute une vie peut basculer en une seconde. Et on ne peut jamais savoir quand ça arrivera. Avant, on croit connaître le monde qui nous entoure. Et après, tout semble avoir changé. Pas forcément en mal, pas toujours. Mais tout est différent. Pour toujours. Je ne savais pas que c'était possible. Jusqu'au jour où c'est arrivé à ma famille. Je ne savais même pas qu'il pouvait exister un après. Je ne savais pas que pour nous, avant était déjà terminé. Douglas, ça ne fera pas mal, je te promets. C'est ma lampe spéciale Bobo. C'est une lampe magique. Tu avais déjà vu une lampe à Bobo avant? Il n'aurait jamais dû monter sur la luge de son frère. Elle fait plus de 2 fois sa taille. Docteur, on vous appelle aux urgences. Douglas s'en sort bien, Madame Follet. Mais je vous demande de le surveiller. Au cas où il se plaindrait de nausées ou de vertiges, ou s'il était pris de somnolence de façon anormale, vous prévenez. Mais non, il n'est pas magique. En vrai, il y a des piles dedans. Ah oui? Attends, souffle. Tu vois? Je dois y aller. C'est trop tard. Mais non, c'est pas trop tard. Il y a encore une chance. Donnez-moi ça. Rigby, elle nous a lâchés. Elle ne pouvait pas en réchapper. On a fait de notre mieux. Allez, on débranche tout. C'est passé. Un salopard l'a frappé à mort près de Port Farmerall. Il l'a abandonné là-bas. On l'a retrouvé dans la neige près de l'étang. Vous me passez des... Qu'est-ce qu'on sait qui c'est? Elle s'appelait Martha Taverner. Vous pouvez laisser jusqu'au... Martha Taverner. Mmh. Oh, mais je la connaissais. Je crois même que j'ai dû la soigner quand vous étiez en vacances. Vous vous rappelez pas? Si. En tout cas, il court toujours celui qui a fait ça. Et Dieu seul sait où il est. Hé, hey, papa. Oui? Moudre 100 grammes de cumin en grain. Mm-hmm. Ah, c'est quoi le cumin en grain? Oh, ce n'est rien de moins que l'ingrédient le plus crucial, fantastique et top secret dont dépend la réussite de mon chili con carne. Bonsoir, maman. Bonsoir. Jacob a une manière de se garer, c'est pas croyable. Bon Dieu. À 3 voitures, vous serrez un peu. Ben? Non, je te jure, j'ai failli pas réussir à entrer la mienne. Tu ne crois pas qu'il va faire l'effort de se garer correctement? Oh. Sors, chien. Oh, ah, maman, je t'en prie, je tape. Mais, dis donc, tu trembles? Ah, j'ai pris un peu. Froid. Papa, laisse ma bouger ton chili. Une minute! J'ai vu une vilaine chose à l'hôpital aujourd'hui. Papa, viens vite. Oh. Fran! Docteur Ryan. Ça faisait bien longtemps que vous ne m'aviez plus appelé docteur. Bisous, maman. Ben, bonsoir, ma chérie. Mais dites... Vous n'avez pas l'uniforme? Qu'est-ce qui se passe? Désolé de débarquer alors que vous allez passer à table. Je vous sers à boire, Fran. Une bière, si vous n'êtes pas en service. Non, non, Ben, c'est gentil, merci. Et Jacob est là? Dans sa chambre, il se repose. Il doit s'envoyer du rap dans les écouteurs, notre cher Jacob. Tu l'as pas vu rentrer? Je travaille à l'atelier. Vous avez besoin de lui parler? Vous voulez qu'on l'appelle? J'y vais. N'ennuie de descendre, chérie. Il y a quelque chose qui va pas? D'accord. Il y a eu un drame à côté de Port Farm Road, une chose pas très belle.
Une jeune fille s'est fait assassiner. Oui, je sais. Je l'ai vue. Quoi? On l'a eu aux urgences, mais malheureusement, il n'y avait plus rien à faire, je vous jure, c'était affreux. Tu m'as rien dit. C'est de ça dont je voulais te parler tout à l'heure. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que ça a à voir avec Jacob? Cette démarche m'est pénible, je vous prie de le croire. Jacob a été vu avec elle. Il est passé la prendre à la porte de son boulot. Elle travaillait chez Jesse's, vous savez, le marchand de glace. Elle bossait après le lycée. Des témoins les ont reconnus. Elle serait montée avec lui et il serait parti comme d'habitude. Dans l'état actuel de mes informations, il est le dernier à l'avoir vue vivante. Vous dites que Jacob sortait avec cette fille, Martha Tavernin? Non, non, mais non, c'est pas ça ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est... Il dit que... Il est ici, dans notre cuisine. Il essaie de nous dire que notre garçon est un dangereux. Non, mais vous déconnez, c'est monstrueux. Hé, inutile de s'emballer, je n'ai rien dit de tel. J'ai juste besoin de... Jacob! Il est pas là-haut, j'ai regardé partout. Ah, c'est insensé, j'ai vu... Sa voiture est dans le garage, je viens de la voir. Vous avez un double des clés de sa voiture? Oui, je crois qu'elles sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il y a un problème, Judith. Mais c'est sûrement malentendu, je t'expliquerai tout après. Okay. Et attendez une minute, vous n'avez pas le droit de faire ça. De faire quoi? Vous n'avez pas le droit d'exiger d'un particulier qu'il vous montre sa voiture. En plus, cette voiture est à mon nom. Il est où votre mandat, hein? Ben, je suis persuadée qu'il y a une explication tellement simple qu'on a oublié d'y penser. Jacob et la jeune Tavernin ont dû se séparer quelque temps avant que tout n'arrive. Je ne sais pas, il l'a peut-être déposé quelque part. Elle a pu descendre de voiture, continuer à pied, il y a des dizaines de possibilités. Fran, est-ce qu'on est sûr que Jacob n'a rien? Je n'ose pas imaginer qu'un malade leur aurait fait du mal à tous les deux et mon Jacob serait blessé. Ou alors il aurait été kidnappé. Oh mon Dieu. Caroline, c'est pour l'aider. Cette voiture nous donnera peut-être la réponse. Non. Vous êtes ses parents, vous voulez le protéger, je comprends. J'ai aussi des gosses, mais... Ben, est-ce que vous savez quelque chose que vous seriez en train de me cacher? Et toi, petite Judith, est-ce que tu sais... Ouais, non, non. Vous dépassez les bornes. Laissez-la en dehors de ça, d'accord? Je t'en prie, Ben. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un garçon très droit. Fran veut juste vous aider à le retrouver, chérie. Je ne voulais pas faire ça. Mais si vous m'y obligez, j'irai trouver le juge Grady. Je lui demanderai de délivrer un mandat et je reviendrai. C'est ça, c'est clair. Allez, arrête. Chérie, tu regardais partout? Tu es sûre? Tu as regardé dans chaque pièce? Ben. Oui, bien sûr, pique-moi encore. Je préfère qu'un avocat me dise ce que j'ai à faire. Écoute, la loi s'applique à tout le monde. Et quoi qu'il ait fait et où qu'il se trouve à cet instant, Jacob a des droits à lui aussi. Je te propose qu'on agisse avec méthode. Tu veux bien? Toi et moi, on regarde dans la maison, de la cave au grenier. Je m'occupe du garage et de l'atelier. Et si on le trouve pas, on appellera chez ses amis. Caroline, pas loin d'elle aussi. Thank you.
ça, Wendell. Maman. Attends, attends. Quand Fran reviendra, il est évident qu'on y verra plus. Oui, je sais que c'est une petite ville, mais c'est notre ville. Il le fera, je te le promets. Je te le promets, mais dépêche-toi, d'accord? Les avocats. Maman? Oui? Jacob était très en colère ce matin. Il a dit qu'il n'irait peut-être même pas au lycée. Pourquoi? Que s'est-il passé? Papa et lui, tu sais, ils se sont encore disputés. Quoi? Tu sais que Jacob voulait louer une bagnole pour faire une virée le soir de la fête de l'hiver. Papa s'est énervé. Et tu vas la payer comment? Parce qu'il faut pas compter sur moi, t'as assez d'argent de poche. Il est temps de prendre tes responsabilités, Jacob. Papa savait très bien que Jackie n'arriverait jamais à économiser, c'était trop tard. Pour Jackie, c'était hyper dur parce qu'il avait promis à tous les nuls du coin de les emmener en voiture. Il avait même dit à Martha pour frimer. Martha? Tu savais qu'ils se voyaient? Je lui dis, est-ce que ça faisait longtemps que Jacob fréquentait cette fille? Depuis septembre. Il m'avait fait jurer de pas vous le dire. Jacob a hurlé. C'est ça, tu crois que c'est parce que t'es un artiste? Aucune règle ne s'applique à toi, mais elles doivent toutes s'appliquer à moi. T'es un hypocrite et c'est tout. Et ça a mis papa hors de lui. Mais j'ai eu très peur cette fois. Oh. Maman, j'ai eu tellement peur. Tu les as pas vus, toi. T'es pas là. Papa veut... Il veut que Jackie soit un peu plus responsable. Alors il essaye tous les moyens. Parfois, il est trop dur. C'est par amour, ma chérie. Je t'assure que c'est par amour. Thank you.
Qu'est-ce que vous faisiez, Ben? Je jetais un coup d'œil à ma voiture. J'ai quand même le droit d'être dans mon garage. Ça fait longtemps que vous êtes là? J'ai pas une minute. J'ai regardé vaguement. Le fait est que je n'ai rien vu d'anormal. Les clés, Ben. Vous avez porté un mandat. Oh, Ben. Vous cherchez vraiment à avoir des ennuis. Il est temps de vous ressaisir. Comment voulez-vous que je vous aide si vous ne me faites pas confiance? Voilà les clés. Il y a toujours autant de bazar. J'ai toujours du matériel à trimballer pour mes sculptures. Je ne peux pas prendre la voiture de Caroline, ça la rend folle. Mais la Jeep n'est pas assez grande. Et par terre, c'est quoi, hein? Pourquoi y a tellement de sueur? D'où est-ce qu'elle vient? Hein, ces petits copeaux de bois tout frais. Vous croyez que je suis stupide, Ben? Que je suis un demeuré? Oui, d'accord. J'ai aussi jeté un coup d'œil dedans. Peut-être qu'un peu de sueur est tombée, et puis voilà. Depuis quand c'est un crime? Cette voiture va partir au laboratoire. Et je peux vous dire gentiment que si jamais votre fils doit avoir des problèmes, vous allez avoir des problèmes aussi. Allez, conduisez-moi à sa chambre. Vous allez fouiller la chambre de Jacob? Et comment que je vais la fouiller? Eh, si vous trouvez son lit, dites-le nous. Ça fait des années qu'on le cherche. J'aime pas beaucoup votre attitude. Je trouve qu'elle manque un peu de décence compte tenu des circonstances. Il faut excuser notre manque de pratique, Fran, compte tenu des circonstances. Allez, je vais aussi voir dans le placard, mais d'abord je veux qu'on vide ce coffre. Et vous m'ouvrez ce truc-là. Allez, le lit. Macpherson, il peut monter. Bon, allez, je vous laisse tout seul. Oui, chef. Hey, excusez-nous. Le domicile, les occupants, le constat. Tu comprends maintenant pourquoi je ne voulais pas les aider. C'est aussi stupide qu'inutile. Mais il devrait être en train de le chercher au lieu de perdre du temps ici. C'est déjà quelque chose. Elle était bien cachée. Et alors? Alors? C'est un élément essentiel. Vous ne croyez pas? Ça prouve en tout cas qu'ils se connaissaient. Fran, jamais personne n'a dit le contraire. J'ai fait au plus vite. T'en fais pas. Encore faut-il que ce soit bien elle. Oh, c'est elle, Wendell. C'est Martha Taverner. Voilà le mandat de perquisition. Bon, je veux qu'on me dresse un inventaire complet de tous les objets que vous emportez de cette maison, avec un récépissé signé. Caroline, j'allais oublier. Oui, ça faisait longtemps que Jacob se servait de votre cric. De moi? Eh bien, je me demandais pourquoi une pauvre Chevrolet déglinguée avait le cric d'un modèle Ford du printemps dernier. Oh là, oh là, oh là. Répondez pas à ça. Fran, la saison de la pêche ne démarre qu'en avril. Si on allait dehors en discuter? Écoutez, Jacob n'a peut-être rien à voir avec tout ça, mais ils sont en train d'entraver le travail de la justice, Wendell. Et ça n'est bon pour personne. Vous avez été chargé de l'enquête criminelle, ou quoi? Mais je dis ça en tant qu'ami. Viens là, il faut que je te parle. Quoi? Viens par là.
partout dans la voiture. Du sang? Le sang de Martha, sur son cric et dans le coffre. Qu'est-ce qui te dit que c'est le sang de Martha? Oh mon Dieu, c'est peut-être celui de Jacob. Montre-moi, je veux voir ce qu'il en est. Ça n'a aucun intérêt, tu peux me croire. En tout cas, ça y est, maintenant, j'ai tout arrangé. Quoi? Mais comment ça, tout arrangé? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai brûlé tout ce qui pouvait brûler. Quant au cric, je l'ai planqué. De toute façon, il est lavé. Oh non. Mais je n'ai pas eu suffisamment de temps pour... Ils peuvent trouver des choses que je n'ai pas vues. Des fragments, des morceaux microscopiques. Dieu sait ce qu'ils sont capables de trouver dans leur laboratoire. Qu'est-ce que tu racontes? Si j'avais plus de temps devant moi... C'est insensé de détruire des preuves qui pourraient le sauver. Mais tu te rends compte? Et si tu avais détruit des preuves qui auraient pu l'innocenter? Je t'en prie, reste ici, Mignot, je t'en prie. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on décide. Quoi? Qu'est-ce qu'on a à décider? Personne ne rendra la vie à cette gamine. C'est bien triste, mais c'est trop tard. Maintenant, il ne faut plus penser qu'à Jacob. Mais Jacob est innocent. Ça n'est pas un tueur. Il était en danger lui-même, si ça se trouve. Qu'est-ce que tu en sais s'ils étaient seuls tous les deux dans la voiture? Il y avait peut-être quelqu'un d'autre. C'est lui qui a tué la fille et emmené Jacob. Et toi, tu fais tout ce qu'il faut pour empêcher la police de le retrouver. Imagine que ce ne soit juste qu'un accident. Et Jacob serait en fuite et il aurait peur de la police. Mais qu'est-ce qu'on sait qu'il fait, Ben? On ne sait même pas ce qui s'est réellement passé. Ça y est, on est seul. Vous voulez me dire ce que vous savez de cette affaire? Écoutez, je suis votre ami, moi. Et je l'aime, Jacob, ça oui. J'ai toujours été au premier rang des spectacles de fin d'année, sans parler des 50 dollars que je lui avais donnés pour la Croix-Rouge. Je suis là pour vous aider. Il y a une chose importante que tu dois savoir. Hey! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai bien compris? Tu comptes à présent me dire quand j'ai le droit de parler, quand il faut que je me taise? Tu peux te taire si tu veux, mais moi j'ai décidé de... Jacob! Allô? Oui? Mais qui est-ce? Oh, je vous souhaite de bien dormir cette nuit. Vous faites preuve d'une grande compassion. Caroline, il vaut mieux raccrocher. Oui, oui, c'est notre première marque de solidarité. Oui, absolument, vous êtes content? Oh, on voit que vous manquez un peu d'esprit. Et ça, on peut dire que vous avez de bons réflexes. C'est rien. Ça va aller. Ça va aller. La police a fouillé toute cette zone et la semaine dernière, un petit chien a été enterré ici. On a trouvé sa tombe et tout remis en place. Doit continuer à vivre. Le monde ne tourne pas comme ça autour de nous et de nos problèmes. Écoute, ou bien je reviens dans 15 minutes avec un œil au beurre noir, ou bien on se verra ce soir. Hey. Je t'aime. Je t'aime aussi.
mec. À l'idée que d'une manière ou d'une autre, il trouvera le moyen de revenir vers nous, je le sais. Il y a sûrement une explication qui m'est jacquée hors de cause. Je le sais. À cause de cette énorme tempête. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Je vais peut-être continuer, ou peut-être rester dans le coin un bout de temps. J'essaierai d'écrire, vous ne priez jamais, mais priez quand même. Le timbre a été oblitéré il y a 2 jours. Caroline, il est vivant. C'est ridicule, ce n'est pas notre Jacob. Mais c'est son écriture. Non, 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 quelqu'un l'a forcé à écrire ça. Quelle différence? L'important, c'est qu'à ce jour, il lui soit rien arrivé. Où est-ce que tu vas? J'appelle Fran immédiatement, c'est trop important. Caroline, écoute-moi, tu veux bien m'écouter? Si Fran voit ça, il foncera chez le juge, il obtiendra l'autorisation d'intercepter notre courrier et de mettre notre téléphone sur écoute. Après ça, tu peux être sûr qu'on n'aura plus de nouvelles de Jackie et ce ne sera qu'un début. Une chasse à l'homme sera organisée dans tout Boston et Jacob partira, Dieu sait où. Il faut y réfléchir. Est-ce qu'on veut vraiment qu'il l'arrête? J'ai besoin de voir mon petit, j'ai besoin de l'embrasser, sinon. Je veux qu'on me reprenne. C'est sur $30. 26, 27, 28, 29 et 30. Monsieur Ryan, vous ne laissez pas abattre. Et Joe, tu fais de la monnaie. Madame Weber l'a annulé, docteur. Elle a dit que vous comprendriez. D'accord. Bonsoir. Bonjour, docteur. Douglas. Alors? J'ai une grosse fièvre. T'as une grosse fièvre? Hein? Eh bien, mon chéri. Pardonnez-moi. Saint-Louis, le 11 mars, c'était sa 3e carte. Ensuite, il a écrit de Los Angeles.
Bonsoir. Toujours plus tard. En voilà une nouvelle de Californie. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça va tourner. C'est tout? C'est ta seule réaction? Écoute, que tu refuses de les montrer à Fran, ça je peux comprendre. Mais que tu refuses aussi de les montrer à Wendell, Benny. C'est notre avocat, c'est un vieil ami. Si jamais Fran met la main dessus, ça se retournera peut-être contre Jackie. Mm. En fait, ça lui rendra peut-être service qu'on ait rien dit. Service? Non. Allô? Wendell? Mais la télévision, la troisième chaîne. Oui, oui, d'accord, regarde. Aujourd'hui, à travers l'Amérique... Jacob Ryan, ce jeune de 16 ans originaire d'Island et que la police suspecte du meurtre de Martha Taverner, était en fuite depuis 5 semaines. Mais selon nos dernières informations, on vient de procéder à son arrestation cet après-midi dans l'immeuble qui se trouve derrière moi. Apparemment, le fugitif se cachait dans l'appartement d'un de ses amis. Il semble qu'il ait été transféré dans un centre de détention pour jeunes délinquants et dès demain, il sera présenté au juge qui prononcera son inculpation. Ici. Absolument qu'on me demande. Les cartes postales, tu es vraiment allé dans tous ces endroits? Hein? Ou tu es resté tout le temps dans l'appartement de ton ami Darren? Ton père t'a posé une question. Tu as décidé de ne pas nous parler. Quand même pas que tu vas pouvoir garder le silence éternellement. La police ne peut rien entendre. Et puis sache que nous ne leur avons rien dit. T'es toujours furieux après moi. C'est ça? Tu sais, ton père n'a cessé de vouloir te défendre. Réponds-moi. Tu comprends ça? Je t'en prie. Jacques. Bon Dieu, mais dis-moi, est-ce que tu sais au moins qu'à cause de toi, on vit un cauchemar? Pas tu sais ça? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Tu sais ce qui est arrivé à Martha Taverner? Il y a un mandat d'amener contre toi, Island. Non. Tu comprends, oui, on verra. Ça ou pas? Tu reviendras sûrement à la maison. Mais d'abord, la loi prévoit une audience devant le juge. Et Wendell Bye viendra avec toi. Et nous aussi, on sera là avec toi. Tu auras intérêt à parler devant le juge. Jackie. Tu veux bien nous regarder? Essaye de penser un petit peu à ce que tu diras à Wendell. Tu sais, personne n'aime perdre son temps. Thank you.
Jacob Ryan, vous avez entendu les charges qui pèsent contre vous. Dans les procès de mineurs, on ne peut que répondre « c'est vrai » ou alors « c'est faux ». Que répondez-vous à cette accusation ? C'est faux. Jacob Ryan habite notre ville depuis longtemps. Il est bon élève. Il a toujours été un garçon tranquille. Et c'est encore pour le moment un mineur. En vertu de quoi nous vous demandons d'ordonner sa libération conditionnelle. Jacob Ryan est accusé d'un crime ignoble et qui dépasse l'entendement. Pire encore, le ministère public prouvera qu'il a aggravé son crime après les faits par sa tentative délibérée de détruire les preuves de son acte meurtrier. Aucun parent dans cette ville, et a fortiori, aucune jeune fille ne se sentira à l'abri si Jacob Ryan sort grâce à une caution. Je prie, monsieur le juge, de refuser cette libération. Madame le procureur, je ne suis pas persuadé que ce jeune homme représente une menace envers notre communauté. Monsieur le juge, je songeais également aux éventuelles menaces contre lui. Accusé, je vous prie de vous lever. La libération sous caution est accordée. La cour fixe le montant du dépôt à 250 000 dollars. Maintenant, écoute-moi bien. Si ça t'amuse de continuer à jouer au sourd muet, c'est ton affaire. Et tu peux mettre une croix dessus, tu ne repasseras jamais cette porte. Tu as compris ? Judith. Jacob, je t'ai fait des cookies. Jacob ? Tu veux peut-être un peu de soupe avant ou un sandwich ou quelque chose. Maman, qu'est-ce qu'il a, Jacob? Je crois qu'il faut lui laisser un petit peu de temps, ma chérie. Quand on s'est disputé ce matin-là, à un moment donné, j'ai levé le poing, j'ai cru que j'allais le frapper. Et Jacob l'a senti, Carly. Il est parti de la maison avec un tel sentiment de rage. Tu l'as pas frappé. C'est ça qui compte. Tout le monde se dispute. Ça arrive tout le temps. Je suis responsable. Comment je vais réparer le mal que je lui ai fait? Mais on sait même pas ce qui est vraiment arrivé. Si on commence à culpabiliser, l'un l'autre, comment est-ce que tu veux qu'on s'en sorte? Quand il pourra, quand il se sentira prêt, il viendra nous parler, tu verras. Mais là, maintenant, la seule chose qui importe, c'est qu'il soit revenu à la maison et que nous soyons ensemble. Ensemble. Tous ensemble. Témoins oculaires. Je veux dire qu'ils n'ont pas de témoins ayant assisté au crime à proprement parler. Enfin, pas encore. Qu'est-ce que ces gens prétendent avoir vu, précisément? On a dû les apercevoir sur le bord de la route. Je crois avoir compris que Jacob avait stationné près de Poor Farm Road. Le
procureur a dit avoir la preuve que Jacob avait détruit des pièces à conviction. Ben, elle avait tout intérêt à dire ça, non? Il n'a toujours pas retrouvé l'arme du crime. Mais jusqu'ici, ça se présente assez bien. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller très loin avec si peu de choses. Ils ont peu d'éléments, oui. Tous les espoirs sont permis. Alors je ne comprends pas pourquoi tu nous laisses tomber au lieu de nous défendre. C'est pas ça, je... Non, c'est autre chose. C'est que... C'est les hypothèques, ma spécialité. C'est un expert qu'il vous faut, un avocat en droit pénal. Et je vous assure, le gars dont je vous parle, c'est le meilleur. Panos Demeris. Il est d'origine grecque. Son cabinet est à Springfield. S'il a perdu un procès dans toute sa carrière, c'est le bout du monde. Avec lui, Jacob recevra les félicitations du jury. Qu'on établisse la vérité des faits ou pas, c'est pareil. La vérité, Madame Ryan? La vérité n'est jamais si simple. Je voulais simplement savoir si votre réponse allait dépendre du fait qu'il soit innocent ou non. La plupart de mes clients n'ont pas arrêté de faire le pire et le reste depuis qu'ils ne sont plus en culotte courte. Mais est-ce une raison pour ne pas les défendre? Ça vous embête si je mange pendant qu'on parle? C'est un déjeuner en retard, Maître Demeris, ou bien un dîner en avance? C'est mon petit déjeuner, hélas. J'ai eu une audience ce matin, c'était interminable. D'accord, donc... Votre fils Jacob, d'après ce que j'ai compris, ça a l'air d'être un garçon tout à fait normal. Je veux dire, même ses silences, vous savez, il doit penser qu'en tenant comme ça, peut-être que tous les problèmes vont disparaître. Ah, les ados, c'est compliqué. Mais j'ai une question à vous poser. S'il vous plaît, prenez ça comme une question neutre, d'accord? Ça n'est en rien une accusation, mais ses colères. Est-ce que Jacob aurait parfois des problèmes d'expression de ses sentiments? Est-ce qu'il a tendance à réprimer ses colères? Et ensuite, est-ce qu'il explose? Si je demande ça, c'est parce que, si c'est déjà arrivé, la moindre petite histoire, je préfère l'apprendre de votre bouche et pas de celle de votre accusation. Non, il n'y a aucune histoire. Jacob est un... C'est un garçon bien, quoi. Honnête, dévoué, vous l'aimerez. Bien sûr, mais vous devez comprendre, monsieur et madame Ryan. Je m'excuse, c'est monsieur et docteur? Ben et Caroline. Très bien, donc comprenez-moi bien. Les jurés, dans un cas comme celui-ci... réagissent de manière émotionnelle. Ils se disent souvent que là où il y a de la fumée, il y a du feu. Et je peux aller devant le box et dire que Jacob est le plus merveilleux garçon du monde. C'est une stratégie. Mais ce qu'ils retiendront et qui les frappera dans leur imaginaire, c'est une image, celle-ci. Vous n'avez pas le droit. Non, ça c'est odieux. Non, vous trouvez Dr. ça correct que vous êtes là à avaler un sandwich et d'exhiber ce... Vous croyez pas qu'on souffre suffisamment comme Dr. ça? Docteur Ryan, pardonnez-moi si j'ai abusé. Je sais comme vous souffrez, mais on ne fera rien si on en reste aux marques de sympathie. Je croyais que vous aviez vu le corps. Mais qu'est-ce que ça change? C'est ignoble. C'est une enfant que j'ai connue. Elle était venue au service à l'hôpital. Et parce que vous voyez chaque jour ces choses-là, vous êtes habitué aux crimes violents, aux morts épouvantables. Mais pas nous, Maître Demeris, mais pas nous. Vous avez de la chance. Je suis médecin, c'est mon métier, croyez-moi, j'en ai vu passer. Mais c'est mon fils qui est concerné cette fois. Pardonnez-moi de vous le rappeler, docteur Ryan, on est toujours l'enfant de quelqu'un. Vos leçons de morale, on s'en passera, Maître Demeris, parce que des gens... Bon, calmons-nous, hein. Calme-toi, Caroline. Ça nous mènera nulle part. S'il te plaît, chérie. Ah, je suis désolé, vraiment. Mais si je vous choque maintenant, qu'est-ce qu'il en sera au moment du procès, quand je dirai au juré, et en usant de conviction, que votre garçon n'est pas coupable parce que c'est un débile mental. Qu'il était saoul, défoncé. Et attendez une minute. C'est au crack. Mon fils n'est pas un drogué. Mais il a beau être votre fils, monsieur Ryan, il n'en sera pas moins mon client. Et je vous assure que ce n'est pas vous qui me direz le genre de défense à adopter. J'irai jusqu'au bout, sans le moindre scrupule. Et si vous n'aimez pas mon style, attendez de voir celui du procureur. Écoutez, docteur Ryan, si vous voulez sauter dans les tranchées avec moi, il faut vous muscler un peu. Il faut oublier vos jolies manières et accepter que je puisse connaître mon métier comme vous le vôtre. Maître Demeris, vous voulez bien être notre avocat? Pour votre fils, oui.
Oui, je défendrai Jacob. Jackie, je sais que tu veux pas parler, mais j'ai besoin de te voir. Je peux monter? S'il te plaît. Poser une question. Est-ce que t'as vraiment voyagé ou pas du tout? D'accord. Ça va. Je comprends. Mais je veux que tu saches. Quand t'étais en tôle, je voulais venir t'embrasser. Ils ont pas voulu. Jackie, je voulais vraiment venir te voir. Ils font comme s'ils voulaient me protéger de tout ça. C'est ça qu'ils apprennent à se protéger d'abord. J'ai entendu plein de trucs, je suis au courant de tas de choses. Tiens, maman, elle a arrêté ses consultations. Elle dit que c'est provisoire, tu parles. Ben, de toute façon, c'est tout. J'avais envie de te demander pour les cartes. C'est pas grave. Attends, pars pas. Une fois par semaine, je prenais le train et j'allais jusqu'à l'aéroport. Je trouvais un vol qui partait là où je voulais aller. Ensuite, je demandais à un passager s'il voulait bien poster une carte pour moi en arrivant là-bas. Je lui racontais que je venais juste de rentrer de vacances et que j'avais oublié de l'envoyer et que je voulais pas que mes parents croient que je leur avais pas écrit. Ensuite, je me choisissais un siège. Dans une des salles d'attente de l'aéroport. Je fermais les yeux, je restais là. Assis. Je m'envolais avec eux. Je suis allée dans tous ces endroits, Judith. Tu diras rien, tu me promets. Personne d'autre pourrait comprendre. Tiré de la Bible. Et donc, vous aimeriez bien lui jeter la première pierre, c'est ça? Maintenant, je voudrais que vous m'écoutiez très attentivement. Non, non, vous m'écoutez. Apprenez, vous qui vous dites bon citoyen, que mon fils est innocent, que c'est un jeune homme libre, qu'il est ici en toute légalité et que rien n'a pu être retenu. Non, non, vous faites erreur. Tant qu'une cour d'assises ne l'a pas reconnu coupable, il ne l'est pas plus que vous et les vôtres. Dormez bien, l'ami, et n'oubliez pas de confesser vos péchés. Bravo, papa, t'as assuré. Tu le penses vraiment, tout ça? Mais c'est évident, bien sûr que oui. C'est tout notre système de justice. C'est pas du système que je parle, mais de moi. Tu penses vraiment que je suis pas coupable? Jackie, ça, je peux pas savoir. Maintenant que tu es là, on pourrait... On pourrait peut-être en parler. Mais quoi qu'il soit arrivé, sache que nous sommes avec toi, complètement. Ça, c'est du baratin sentimental de merde. Je parle de moi, là, tu comprends pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Du baratin sentimental? Tous les parents du monde disent ces phrases-là. Ah oui, tu en es sûr? Et est-ce qu'ils cachent l'arme du crime, détruisent des preuves, se taisent devant la police? Tu es sûr que c'est ce que font tous les parents du monde? Ça me fait bizarre d'être assis là et de raconter comment j'aurais tué Martha. Jackie, arrête de fuir. Parle. Tu
tu es à la maison, arrête de fuir. Si je vous raconte ce qui s'est passé et que c'est pas moi. C'est pas moi, d'accord? Ça fait un an qu'on se voyait tout le temps. Et je pensais que je vous le dirais un jour. Je voulais vous le dire, mais... Et j'avais dit à Martha que vous étiez cool, mais rien qu'à l'idée de devoir répondre à vos questions et de faire la conversation avec vous, elle paniquait comme une folle. Ce jour-là, on a eu une dispute épouvantable. Ça a commencé quand je suis passée la prendre à son boulot chez le marchand de glace. Elle a commencé à gueuler parce que j'aurais pas une voiture de location pour la fête de l'hiver. Elle disait que je devais avoir honte d'elle parce que vous alliez la juger trop nulle pour moi. Et j'ai essayé de lui expliquer, mais elle m'engueulait comme un putois pendant que j'essayais de conduire. Il neigeait, je voyais plus rien. Elle m'a dit, t'as qu'à t'arrêter. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas vraiment contre moi qu'elle était en colère. Elle maudissait tout le monde. Elle avait la haine. Et d'abord contre Dieu, parce qu'il avait permis qu'une telle chose arrive. Je suis enceinte. Et c'était encore plus compliqué que ça. Elle était même pas sûre qu'il était de moi. Elle a pas voulu me dire qui ça pouvait être. Enfin bref, j'ai compris que... J'étais pas le seul qu'elle voyait. Vous imaginez, je tombais de haut. Elle pensait qu'il était pas de moi parce qu'on avait toujours fait très attention. Elle a remis ça, je te déteste, de toute façon tu me hais, tu fais rien pour moi, c'est fini. Elle s'est foutue de moi parce que j'avais pris des précautions avec elle. Parce que je m'étais... qu'il fallait vraiment être un trouillard pour penser à des trucs comme ça. Alors j'ai dit assez. On rentre. Que tu aimes mieux le garder ou non, que tu restes avec ton homme des cavernes ou non, je m'en fous. Et là, tout d'un coup, elle a... Je t'en prie, attends. Démarre pas. Je sais pas ce que j'ai dit. Je m'excuse. Je regrette, vraiment. Je te le prouve si tu veux. On est resté un peu plus longtemps. On a fait la paix, heureusement. On était contents, mais... aussi, on était complètement vidés. Totalement épuisés. De toute façon, il était tard. Alors, à la fin, j'ai décidé qu'on s'en aille. Il n'y avait rien à faire. J'ai essayé de la dégager, de la pousser. D'abord tout seul, ensuite avec elle. On a même essayé avec les tapis de sol sous les roues. Mais plus ça allait, plus c'était profond. Alors elle a dit peut-être avec le cric. Amasse un peu de neige autour de l'ornière et ce sera bon. Rien du tout, ouais. Tu vois pourquoi je peux pas être avec toi? Et de nouveau, on était hyper en colère tous les deux. Et... avec toi, on est toujours dans la merde. Et tu la fermes, d'accord? Avec Kevin ou Matt, je serais à la maison depuis belle lurette. Mais toi, t'es tellement nul. La ferme, je te dis. Gosse de riche. De toute façon, t'as pas de couilles. Comme je te l'ai dit, de la fermer. Je l'ai fait. Je l'ai frappé. C'est allé si vite. Je suis obligée de tout dire. Je t'en prie. Elle tenait toujours la manivelle. Tu vas voir mal alors! Elle m'a
a manqué d'un centimètre. Je vous jure, un centimètre. Rien que ce mot. Meurtre. C'était impossible à imaginer. C'était une chose qui m'avait même pas effleurée. C'était même pas moi. Il aurait suffi que moi aussi je la rate d'un centimètre. De presque rien. Un centimètre. Et mon seul problème aujourd'hui serait de savoir si je dois encore lui dire bonjour. Tiens, chérie. Oh, merci. Maintenant, on sait. C'est déjà un bon point. Il raconte son histoire devant le juge comme il vient de nous la raconter. Mais le juge, c'est pas nous. C'est pas quelqu'un qu'il aime. Non, il n'y a plus rien à craindre. Ils comprendront que ça n'était qu'un accident. Et tu serais prête à lui faire risquer la prison? Est-ce qu'il y a une autre solution? Bien sûr qu'il doit le dire. Il est obligé. Ben, bien sûr qu'il doit le dire. Il est obligé. Qu'il en parle à Panos, d'abord. Tu veux bien? On n'est pas avocat, Caroline. Il y a sûrement des façons, je sais pas moi, des façons de présenter les choses. Il viendra le voir avec moi demain matin, d'accord? Je suis venu là, c'est tout. Elle n'est plus là. Ils l'ont emportée pour l'examiner. Mais j'avais tout nettoyé. En tout cas, je l'espère. Je comprends pas. Maman a dit aussi un truc de ce genre hier. Oh, Jackie. C'est pas important, toutes ces choses. Crois-moi. Maintenant, le problème est résolu. Mais tu sais que tu risques aussi la prison. Si l'un de nous deux doit y aller, je préfère que ce soit moi. Qu'est-ce que tu dis? Jacob, écoute-moi. Cette nuit-là, la police allait bientôt revenir. Je crois que j'ai agi sans réfléchir, par pur instinct. Mais peut-être que finalement, c'est une chance. Ils n'ont pas l'arme du crime. Aucun témoin, aucune preuve formelle, aucun indice. Et nous n'avons jamais entendu ta confession. Tu comprends? Tu nous as rien dit, nous n'avons rien entendu. Jackie, aucune loi ne t'oblige à témoigner contre toi-même. C'est comme ça. C'est légal, il faut comprendre que c'est comme ça que la justice fonctionne. Alors, si... si on arrive tous à la boucler, peut-être qu'au final, on gagnera. Peut-être même. Peut-être que tu pourras te faire oublier, que tu pourras vivre une vie comme tout le monde. Oui, mais il y a des témoins, des gens nous ont vus en voiture, je pourrais pas dire le mot. Mais bien sûr, tu vas dire que tu y étais, tu vas pas le nier. Vous étiez coincés dans la neige, vous vous êtes disputés, et comme tu étais furieux, eh bien tu es parti. Tu es parti en lui laissant les clés, et donc tu n'as aucune idée de ce qui a pu lui arriver quand elle était toute seule là-bas, et nous non plus. Attends une minute, mais je suis rentré en voiture. Tu as changé d'avis. Tu es revenu là-bas, elle avait été tuée. Alors tu as paniqué. C'est tout à fait possible, parce que tu savais que la police te soupçonnerait. Tu as répliqué ici, toujours en état de choc, et tu es parti à Boston. C'est une bêtise, ça oui. Mais c'est pas un crime. J'aimerais qu'il y ait une autre solution. J'ai passé la nuit à retourner le problème. Je t'assure que je n'ai rien trouvé de mieux.
si je disais la vérité? Le fait que tu te sois enfui, que tu n'aies pas appelé l'hôpital, que tu te sois planqué tout ce temps. Jackie, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ce n'est pas à toi de convaincre les jurés. Ça, c'est le boulot de Panos. Et laisse le procureur raconter ses histoires. Ce qui importe, c'est qu'on ne les aide pas à t'envoyer en prison pour un crime que tu n'as pas commis. Alors j'ai pensé, je me suis dit, comme la police va sûrement me soupçonner et qu'ils vont rechercher la voiture, il vaut mieux que je fasse du stop. Je savais que c'était totalement stupide et qu'on me le reprocherait après. Écoutez, j'ai un peu la mémoire qui se brouille, monsieur Deméris. Ça m'a sonné de retourner là-bas et de la voir par terre. Bon, Jacob, et si je disais qu'il semble évident que c'est toi qui l'as tué? Tu l'as frappé à la tête avec un objet, sinon pourquoi tu te serais enfui? Mais je vous l'ai dit. Non, non, écoute. Maintenant, je suis le procureur. Et toi, t'es un gosse qui a massacré sa copine. Alors, comment tu vas me prouver que c'est pas toi qui l'as fait? Surtout, tu ne dis rien. Comprends bien, Jacob, tu n'es pas obligé de répondre à cette question. C'est leur travail à eux d'y répondre. C'est à eux de prouver que tu es coupable. Ce n'est pas à toi de prouver que tu es innocent. Alors, on a des chances. Bien, la chambre d'accusation se réunit mardi, mais d'ici là, on n'a pas une minute à perdre. Je passe en procès ce mardi? Non, 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 non. Assure-toi, pas encore. La chambre d'accusation va d'abord examiner les faits et décider s'il y a suffisamment de preuves pour t'envoyer aux assises. Et si tu as beaucoup, beaucoup de chance, tu ne passeras même pas en procès. Mais j'aurai une meilleure vision des choses après avoir vu leur liste de témoins. Merci. Merci. Au revoir. Oh, Jacob. Pardonne-moi, je suis un petit peu lent parfois. Simple curiosité, dis-moi en quelques mots. C'était quoi la raison de cette dispute avec Martha? Enfin, je veux dire, pourquoi vous étiez si en colère? J'aurais dû te demander ça plus tôt. Déjà, elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Viens te rasseoir, Jacob. Allez, va. Et c'est pas de moi qu'elle était enceinte. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Quoi? Ça nous aide? Oh, c'est peu dire, mon ami. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Et tu serais en mesure d'affirmer que ce bébé ne pouvait pas être de toi? Vous voulez dire... si on faisait... enfin... Oui, enfin. Bah, oui, mais... on faisait... enfin, je mettais toujours des... des préservatifs, tu peux le dire, tu sais. Et elle m'a juré que c'était pas moi. Avant toute chose, on demande au médecin légiste la signature ADN de l'embryon. C'est comme si c'était fait. Panos, je comprends. Mais qu'est-ce que ça change? C'est ce qu'on appelle le bénéfice du doute, monsieur Ryan. On peut penser que Jacob et Martin ont pu être suivis par quelqu'un d'extrêmement jaloux. Et penser qu'on s'est peut-être trompé de petit ami. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux dire si j'ai aimé ou alors lui? Aimé quoi? Ton histoire. Mon histoire? Oui, c'est vrai que c'est mon histoire. Notre histoire. Jackie, est-ce que ça va? Tu te rappelles ce matin-là? La dispute qu'on a eue, tu te rappelles ce que tu m'as dit? T'as dit qu'il commençait à être temps que je paie pour ce que je fais. Et tu m'as traité d'hypocrite. Jackie, si ma version des faits te déplaît, on peut faire demi-tour. C'est pas grave, je te jure qu'il n'est pas trop tard. C'est pas vrai. T'es sûr qu'on n'est pas en train de faire une erreur?
Je ne suis plus sûr de rien depuis un certain après-midi du mois de février. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On est obligé de faire ce qu'on fait. Ce que je propose, c'est que d'abord on te sauve la vie, ensuite seulement on pourra s'occuper de ton âme. Ça fait de moi un hypocrite, admettons. Mais il n'y a qu'une insulte au monde que je redoute, c'est qu'on me dise un jour que j'ai laissé tomber ma famille. Je... Oui. Je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que tu essaies de faire pour moi. Papa. Oui. Vraiment, je te remercie. Je te remercie, papa. Allez, viens. Pas un mot, Beth? Pas le moindre mot? C'est Jacob qui a choisi. C'est sa vie. Toi, tu n'es pour rien dans ce choix. On a passé en revue les options, ça oui. Les options? Benny, tu es son père. Ce petit est inquiet, il a peur, il ferait n'importe quoi maintenant. Il est prêt à dire n'importe quoi du moment où il pense pouvoir regagner ta confiance. Mais il l'a toujours eu, ma confiance, il l'a toujours eu. Et, hé, entre nous soit dit, il mérite aussi la tienne. Si tu ne vois pas ça, c'est que t'as un sérieux problème. Comment est-ce que tu oses? Comment est-ce que tu oses? De toute façon, c'est fait, Caroline, tu entends? C'est réglé maintenant. Oui, c'est réglé, dans le garage aussi, tu as tout réglé. C'est vrai. Comme ça, tu n'as même pas eu à te salir les mains. Nettoie un peu ici, rajoute un peu par là. Non, c'est vrai que j'oubliais comme tu étais créatif. Il fallait bien que l'un de nous fasse quelque chose, et vite! Mais dis-moi, est-ce que tu penses que tu l'as aidé depuis le début? Est-ce que tu sais? Mais dis-moi que tu sais que par ta faute, il se retrouve coincé. Parce qu'en plus, il doit te défendre, toi. Maintenant, il a deux personnes à défendre. Mais qu'est-ce que tu veux? Dis-le! Tu veux qu'il paie en passant les 20 prochaines années de sa vie en tôle? C'est ça que tu veux? Pour une bêtise, un geste maladroit? Tu veux qu'à sa sortie de prison, Jacob soit plein de cheveux blancs? Mais ça avancerait qui? Qui? Oh, mon amour. Tôt ou tard, il faudra bien que quelqu'un se fasse pardonner. Lui pour ce qu'il a fait, ou nous parce qu'on n'aura rien fait quand on avait une chance de le sauver. Tu ne préfères pas lui pardonner? Passé au labo avant de venir ici. Ils ont pu me donner les résultats de l'analyse des tissus du fœtus. Et voilà l'analyse parallèle de la formule sanguine de Jacob. Non, c'est plutôt technique, mais... Jacob n'était pas le père? Bingo. Oh, zut, j'avais oublié. Je dis à un docteur que c'est technique. Ça peut aussi bien se retourner contre lui. Ils pourront dire aussi qu'il était jaloux. Ça lui donnerait un mobile. Avec ça, tout est remis en jeu. On attaquera la moralité de la fille. Martha Taverner vient de perdre 50% de la sympathie du jury. Essayez de comprendre. Ces pièces vont instiller un doute. Et le doute est ici notre meilleur allié. Madame Ryan? Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis prêt. Laissez-moi passer. Je les sortirai sous cette bande de pouilles. Moi, je vais passer. J'ai refusé de témoigner et je ne témoignerai jamais. Et vous pouvez écrire ça comme vous voudrez. Tenez. Je vais vous dire un truc, vous n'avez pas témoigné. Il devrait y avoir une protection, une forme d'immunité, comme une procédure particulière qui interdit ce qu'on oblige quelqu'un à devoir dénoncer sa propre famille. Vous n'avez créé comment que ça? Vous n'avez qu'à relire le cinquième amendement, c'est tout. Oui, demandez à mon avocat. Juge, que traitez-vous de la justice? Monsieur Ryan, mais parlez dans le vide alors? Je vous avais dit, si vous avez la moindre question, vous venez. C'est que je n'avais aucune question. Trouvez-moi la bonne procédure. Vous délirez, trouvez la bonne procédure, mais vous voulez peut-être que je l'invente? Il n'y a rien dans le code pénal qui aille dans votre sens. C'est pas normal. Vous savez ce que vous risquez, vous? Vous risquez d'aller en tôle pour insulte à un magistrat et vous voudriez m'envoyer en tôle aussi. Mais moi, j'irai pas me sacrifier pour vous. Vous agissez comme si on dissimulait une partie de la vérité. Il déformait au fur et à mesure toutes mes phrases. Dans le but de me mettre en conflit avec mon fils, eh bien, je ne rentrerai pas dans ce jeu morbide. Et je leur ai bien expliqué que c'était pour moi une question de principe. Ah oui, et c'est quoi ces beaux principes? Vous voulez pas m'expliquer? Il n'y a aucun marchandage avec mon gosse. Et qu'on ne compte pas sur moi pour le faire condamner. Arrêtez, Ben. Je ne témoignerai pas, Panos. Ni aujourd'hui, ni jamais. Et si ça me faut d'aller en tôle, je suis prêt. Si je peux faire la moindre chose, il est mal barré celui qui sera sur ma route.
Une petite minute, Ben, je t'en prie. Maman, je voudrais te parler. Maman, ils mentent tous. C'est pas du tout ça la vérité. Ils disent pas du tout ce qui s'est passé. Comment tu peux les laisser faire ça? Mais lorsque des gens disent des choses devant un juge, ils peuvent ne dire la vérité qu'en partie. Ils cherchent à se défendre en employant tous les moyens qu'ils trouvent. Mais t'as entendu Jacob, tu sais maintenant ce qui s'est passé. Et tu vas te taire et faire ce que papa a dit? Judith, imagine un jour tu apprends une chose concernant une de tes amies, un secret. Mais tu sais que si tu le lui dis, elle sera triste, elle t'en voudra. Alors tu choisis le silence. Mentir, c'est autre chose. Là, tu te contentes de garder un secret. Et à quoi ça servirait que tu devances l'appel? C'est parce que les autres gens font ça. C'est parce qu'ils espèrent que comme ça, on leur fera rien. Donc t'es obligé de faire pareil. C'est pas comme... tu es trop jeune pour comprendre. Puis voilà, c'est tout. C'est seulement à mon âge qu'on comprend certaines choses de la vie. Et plus tard, chérie... C'est dégoûtant de me dire plus tard. Comprendre pourquoi ton père a choisi... À quoi ça sert que je comprenne plus tard? Maman, c'est maintenant que j'ai besoin de comprendre. Tu laisses papa décider pour toi. Je trouve ça nul. Personne ne fait attention à ce que je pense. Parce que je suis trop belle, parce que je suis trop petite. Vous n'avez même pas pensé que je pouvais aller là-bas et dire tout ce que je sais. Quoi? Comment dire quoi? Tu comprendras plus tard. Judith! Caroline, t'arrives à dormir? Abraham et Isaac, tu te rappelles cette histoire? Dieu dit à Abraham, prouve ta foi. Prends Isaac, ton fils bien-aimé, et sacrifie-le-moi. Pourquoi? Parce que tu m'obéis, parce que je suis Dieu. Et Abraham accepte. Il est très triste, mais il le fera. Il tranchera la gorge de son propre fils si Dieu le lui demande. Très obéissant, Abraham. Très vertueux. Mais quand on raconte cette histoire, on oublie toujours l'important. Qui voudrait de cet homme pour père? Des nuits sans dormir, seulement à penser à Martha. Et je tenais à ce que vous sachiez combien je suis désolée, madame. Je suis désolée, vraiment. Je sais bien, ça ne changera rien. Si seulement vous... Quoi? Si seulement quoi? Si seulement vous pouviez voir en nous les êtres humains. Et la famille, enfin, oui, une famille qui se retrouve aussi démunie. En quoi est-ce que votre famille est démunie? Ça m'intéresse de savoir, dites-le-moi. Ce matin-là, elle était bien vivante quand elle m'a dit au revoir. Cher docteur, et maintenant, dites-moi ce qui reste d'elle.
Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous ne me ferez pas pitié. Oh, c'est pas du tout ça. Je ne vous demande pas de pitié. Vous faites tout pour qu'il échappe à la justice. Grâce à vos merveilleux avocats, est-ce que vous payez? Il peut se balader en pleine rue, vous protéger un assassin, vous pouvez être fier. Les gens comme vous croient que le monde leur appartient. Secondaire de l'injection, tu peux t'allonger un peu. Il n'y a rien qui presse. D'accord. Maman. J'ai dit, t'as raison. Ça aurait été bien mieux pour vous si j'étais jamais revenue. Je devrais peut-être repartir. Je ne veux pas que tu dises ça. Il n'y a pas que ma famille. Mais il y a aussi les autres. C'est vrai, c'est ce que tout le monde veut, non? Non. Non, Jackie, ces hommes. Les hommes de ce soir étaient des lâches. Tu verras que demain matin, ils seront charmants, tout miel, tout sourire, rien n'aura changé. C'est moi le lâche. C'est moi qui suis lâche, maman. Je me sens comme pris dans un piège, tu vois. Et si je me tais et que je garde ça à l'intérieur, c'est comme un poison. Et si jamais je dis la vérité au juge, papa ira aussi en prison. Et il va me haïr. De toute manière, ce sera foutu. Lui haïr ses enfants, c'est mal le connaître. Ton père t'aime, Jacob. Sache que ton père t'aime. Et bien ou mal, il y met toujours tout son cœur. C'est parfois envahissant parce que il est toujours très entier. Mais tu n'es pas obligé d'être comme lui. On peut ne pas être d'accord un jour avec une personne et l'aimer quand même. Il y a certains moments dans la vie où chacun doit prendre ses décisions. Ouais.
mais il a pris tellement de risques pour moi. Il n'a pas hésité une minute sur le prix à payer. Il a foncé. Maman. Ce serait de laisser tomber. Comment je peux lui faire ça? Oui. Comment tu peux lui faire ça? Je vous l'avais dit, c'était pas méchant. Non, je veux vous dire, j'ai tout dit. Cette fois, sans mentir. Quoi? Ben et Jacob ne vous ont pas dit la vérité, Panos. Et franchement, vous auriez pu le deviner. J'espère que vous allez vous débrouiller. Vous venez avec moi. Je vous écoute. Je suis désolée. Écoutez, il n'y a rien de plus à ajouter. Voilà, de quoi il parle là-bas depuis 20 minutes? D'accord, à mon tour. Jacob ne sait rien, j'imagine. Vous l'avez dit à Ben ou moi? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère que votre mari n'a pas le tempérament du petit, parce que je m'inquiéterais pour vous. C'est le fils qui imite le père, et non l'inverse. Cette arme, ce cric qu'il aurait utilisé, où est-ce qu'il est maintenant? Soyez sans crainte, il a disparu pour toujours. Mais je ne dirai rien. Vous l'avez vu, ce cric? Alors, ce n'a qu'une valeur très relative. Tout comme cette soi-disant confession, c'est votre parole contre la parole de Ben et de Jacob. Il n'y a aucune preuve. Mais vous devez me croire, c'était un accident. Il suffirait que Jacob aille le dire au juge. Jacob est mon client, ni vous, ni votre époux, Jacob. Et qu'on ne compte pas sur moi pour l'emmener pieds et poings liés dans le box des accusés, où le procureur n'en fera qu'une bouchée. Je vais défendre votre fils et il gagnera, et peut-être malgré vous. Et même si ça doit vous salir un petit peu. Moi? Froide, vindicative, bourrée de fantasmes paranoïaques sur la sexualité de son fils avec cette fille d'extraction populaire. Quand j'en aurai fini avec vous, on vous surnommera m'aider. Panos, si on continue de vouloir nier la réalité, si on refuse plus longtemps de voir en face ce qui s'est réellement passé... Comment ça, réellement? Quand est-ce que vous allez enfin comprendre, Madame Ryan? Ils racontent leur version de cette histoire, nous racontons la nôtre, et 12 citoyens vont souverainement décider où est la vérité. Non, non, la vérité, c'est autre chose, c'est pas ça. Ça, c'est de la publicité de lessive. C'est pourtant comme ça que je sauverai votre fils, car je veux le sauver. Oui, moi aussi. C'est à un absolu qu'elle j'ai répondu. En fait, il n'y a que ça. Au bout du compte, il n'y a que ça. L'absolu. J'ai agi sans votre permission, parce qu'elle était superflue. Parce qu'il faut le sauver, c'est ça qui compte. Ah, mon pauvre docteur. Vous et vos fichus absolus. Vous verrez bien ce qui restera de vos petits principes à la noix quand la moitié de votre famille sera en tôle. Et on ne vous laissera pas la possibilité de revenir sur un seul mot. Jacob. Jacob, dépêche-toi, allez d'où? Je veux que tu saches ce que ta mère a fait. Fichter, c'était trop lui demander que de l'affirmer. Papa, arrête, tu me fais mal. Allez, qu'est-ce qui se passe? Il vous le dira lui-même. Dis-lui. Dis-lui. Quelle vie on va avoir? Quelle vie on va avoir tous les quatre? Je t'aime plus que tout. Et tout ce que j'ai voulu, c'est te sauver. Mais te sauver, pourquoi? Pour vivre comment? Tout ce qu'il a fait depuis 16 ans. Tout ce qu'il est aujourd'hui, hein, pour toi, c'est pas une réponse suffisante. Tu n'as jamais voulu le sauver. Tu l'as porté dans ton ventre, mais le jour où il a besoin de ton pardon, il n'y a plus personne. Je pardonne à tous, Ben.
Jackie, pour que tu n'écoutes pas ce que dit ta mère. Il ne faut pas renoncer maintenant. Au moins, il y a encore une chance. Mais laisse-le se faire son opinion. Jackie, je te jure qu'on peut gagner, toi et moi, et ensemble. Je te jure qu'on peut gagner. Ben, c'est mon fils aussi. Pourquoi? Si c'est ton fils, alors traite-le comme tel. Jacob, Jackie, je l'ai fait pour toi, pour vous deux. La seule chose que je voulais, c'est que tu comprennes. Il faut être assez gonflé pour espérer que ton propre fils va comprendre pourquoi tu l'as trahi. Mais je l'ai pas trahi. T'as pas le droit de me dire. Vous arrêtez, il y en a un bol de ces cris. Arrêtez tous les deux. Maman! Maman! Réveille-toi, Jacob est reparti. Quoi? Jacob! Il est parti. Il est parti. Cherche dans la cuisine et les pièces à l'arrière. J'ai déjà regardé. Regarde encore. Il s'est de nouveau enfui. Et cette fois, il ne reviendra pas. Non, non, j'ai regardé hier encore ses affaires dans sa chambre. Il les aurait prises. Peut-être qu'il s'est dit qu'il n'en aurait pas besoin. Peut-être qu'il a pris la Jeep et qu'il est allé foncer dans un mur. Oh, Beth. Non, c'est pas possible. Vous feriez mieux de venir avec moi. Non, je suis venue ici pour leur dire la vérité. Toute l'histoire, comme je vous l'ai racontée. Mais vous n'allez pas le croire. Même là, ils ont dit qu'il y a des règles. Même si je veux passer aux aveux, ils disent que ma déposition ne sera légale que signée par mes parents. Papa. C'est ce que tu veux aujourd'hui. Tu crois que c'est mieux aujourd'hui, mais Jackie? Même si tu as été bouleversée hier soir, pense aux conséquences. Mais je te jure, j'y pense, j'y pense. J'ai pensé aux conséquences. J'essaierai de mon mieux d'expliquer que c'est pas toi, mais peut-être que t'auras des problèmes à cause de moi et je suis désolée. Et c'est pour ça que... Oh, Jackie, tu penses que c'était ça le problème pour moi? Vas-y, dis-moi. Non, non. J'ai accepté ce qui pouvait m'attendre après. Mais en fait, tu ne sais pas pourquoi j'ai agi comme ça. Alors tu me vois comme... un monstre, une sorte de brute, un despote qui voudrait que tout le monde lui obéisse. Oh, Jackie. L'autre jour, tu m'as dit un truc, tu te rappelles? Tu as dit que la pire insulte qu'on pouvait craindre, c'est de passer pour quelqu'un qui n'a pas défendu sa famille. Ça, c'est ma manière. C'est comme ça que j'ai décidé d'assumer. Pour nous. Pour notre famille. Ce sera peut-être aussi valable si maman la signe toute seule. Mais je voudrais que tu la signes aussi. Si je te dis ça, c'est parce que j'en ai besoin. Je crois que j'en ai vraiment besoin. Fallait que je sois fort. Plein de certitude. C'est ce que vous attendiez de moi. Tous les trois.
Mais ça, c'est trop me demander. C'est trop me demander que d'aider ceux qui veulent t'enlever à moi. Je t'aime trop pour ça, Jackie. Jamais rien n'arrivera à m'enlever à mon père. Mon fils. Mon garçon. J'aurais voulu que ça n'arrive jamais. Oui. Je savais pas que vous m'aimiez à ce point. Jamais j'aurais cru. Judith. Langdale est un bon juge, intelligent et juste. Et je crois l'avoir convaincu que dans le cas de Jacob, une peine de prison, c'est vraiment inapproprié. Je crois qu'on a de vraies chances. Mais sachez que vous ne m'aurez pas laissé une grande marge de manœuvre. Ça, j'imagine que nous n'avons pas été ce qu'on appelle des clients très faciles. Pourquoi est-ce que vous êtes resté, Panos? Je vous ai dit que je défendrais Jacob. À moins que j'ai voulu savoir ce que vous feriez ensuite. Mesdames, messieurs, la troisième chambre du district est maintenant en session. L'honorable Henry Langdale présidera les débats. Levez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Ayant examiné les différentes pièces et témoignages dans l'affaire où comparait le jeune Jacob Ryan, un mineur, la Cour est en mesure de rendre son jugement. La tragédie qui a coûté la vie à Martha Taverner n'a été ni préméditée, ni délibérément causée par le prévenu. Il y a eu une dispute, une empoignade mutuelle et violente, mais nullement d'intention criminelle. Jeune homme, je ne peux oublier le fait que vous avez exprimé de profonds remords, que vous êtes passé aux aveux en vous livrant de votre propre chef à la police, et que vous l'avez fait sans même demander la clémence de la Cour. Nonobstant, la Cour reconnaît votre culpabilité. Par votre fuite, par votre tentative de dissimuler les preuves de votre implication dans la mort de Martha Taverner, vous avez gravement entaché votre action et vous vous êtes privé vous-même de la protection de la loi. Jacob Ryan, levez-vous. Je vous déclare coupable d'homicide involontaire. La Cour vous condamne pour ces motifs à l'emprisonnement au centre de détention pour mineurs de Framingham pour une période de 5 ans au maximum. Mon père est resté en prison presque un an pour avoir détruit des preuves. Jacob a été libéré sur parole après 2 ans. Mais il doit régulièrement se présenter devant le juge. Nous nous sommes donc retrouvés. Mais aucun de nous n'est libre. Chacun de nous est marqué pour toujours. Avant et après. Maintenant, quand je regarde Jacob, je me dis que la vie aurait pu être si différente. Pour nous tous. Et c'est ça qui m'attriste le plus. Judith, regarde. Mais ces derniers temps, j'ai parfois l'impression de revivre. Ça fait un peu peur. Je sais même pas si on a le droit. Peut-être qu'on peut pas vivre en évitant éternellement le bonheur. Pas plus que les malheurs. Toute une vie peut basculer en une seconde. Et on ne peut jamais savoir quand ça arrivera.